Je m'appelle Aric Lens, je suis directeur des systèmes d'information à l'UTC et président de l'ANESC. En un mot, donc l'association, c'est un service. Elle offre des logements aux étudiants de l'UTC et de l'ESCOM. L'association Loi 1901, qui a été créée il y a exactement 30 ans, puisqu'on va fêter nos 30 ans d'existence, par l'UTC et la ville de Compiègne, pour aider les étudiants qui arrivaient à se loger. Deux services, en fait. Nous avons un certain nombre de résidences que nous gérons directement. Ils sont au nombre de trois. On a La Ruche et puis Daniel Pombry. Et puis on a une autre résidence qui se trouve entre le centre de recherche et le centre-ville qui s'appelle La Margonnerie. Les étudiants ont à leur disposition des studios, des appartements en colocation. Alors notre deuxième service, c'est la mise en relation entre les étudiants et les logeurs privés. Nous avons un parc de logements privés de 1200 logements qui vont du studio, même de la chambre chez l'habitant, jusque la maison de 5 ou 6 pièces qu'ils peuvent louer à plusieurs. Trois personnes travaillent en permanence, Maryse, Pascal et Laetitia. Vous pouvez les retrouver au centre Benjamin Franklin en centre-ville. Nous avons un bureau face à l'accueil. Elles sont là pour vous aider, mais aussi pour tout type de problème au niveau des étudiants, mais aussi pour choisir votre logement lorsque vous changez ou lorsque vous arrivez. Bonjour, je m'appelle Maryse. Je m'occupe des logeurs au sein de la LESC. Donc ma mission au sein de la LESC est dans un premier temps recevoir les parents, les futurs étudiants qui recherchent un logement, de les aiguiller pour trouver un appartement soit dans nos résidences ou soit directement chez des propriétaires privés. L'intérêt quand même, c'est que nous labellisons ces logements. Nous leur donnons une, deux ou trois étoiles suivant des critères très stricts. Donc lorsque vous venez à la LESC et que vous choisissez un logement privé, nous l'avons visité et nous l'avons labellisé. Notre force aussi, c'est d'être présent sur place, de pouvoir gérer toutes les démarches administratives pour la CAF par exemple. Et aussi de les aider lorsqu'il y a des problèmes quelconques de fuite, d'évier bouché, etc. dans les appartements. Nous sommes sur place, donc au moindre problème, même s'ils ont besoin d'une ampoule par exemple, ils peuvent venir et nous les aidons. Alors il est vrai que lorsque nous louons un logement à un étudiant, il peut rester un certain nombre d'années et nous les voyons grandir et nous sommes un petit peu les mamans lorsqu'ils ont des petits soucis matériels par exemple. Alors mon parcours scolaire est simple, je suis un pur produit de l'UTC. Je suis arrivé à 18 ans à l'UTC, j'ai fait toutes mes études à l'UTC, c'est-à-dire 8 ans, et j'en suis sorti à l'issue de ma thèse. Et donc à l'issue de cette thèse, je suis rentré dans un laboratoire de l'UTC, un laboratoire CNRS qui existe toujours, et ensuite je suis devenu directeur des systèmes d'information de l'UTC, et puis en même temps, donc président de la LESC. Donc à 18 ans, j'ai quitté ma ville natale, qui était Laon, dans l'Aisne, pour arriver sur Compiègne. Et là, je cherchais un logement, comme tout étudiant qui arrive pour faire ses études. J'ai trouvé un petit logement qui se trouve au niveau de Compiègne même. Et anecdote, c'est que ce logement, 40 ans après, se trouve toujours en location pour les étudiants et géré par la LESC. Mon secret, mais tout mon entourage le sait, c'est que je suis coureur. Et donc, pour me tenir en forme et pour pouvoir affronter tous les défis au niveau défis professionnels, donc je cours. Et je cours tôt le matin. C'est-à-dire très tôt? Ah, c'est-à-dire 6h30. Un jour sur deux, je cours à 6h30 et donc ça me permet de me tenir vraiment en forme.
Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que Pascal connaît absolument tous les prénoms de tous les étudiants que nous logeons. Et il y en a vraiment beaucoup. Pascal, tu peux nous donner le nom de l'étudiant qui loge dans l'appartement de numéro 41 à Marc-Audry ? Dorian. Ah oui, je vous l'avais dit, hein, donc. Mais par contre, attention, il ne faut absolument pas toucher à ses stylos. Hein. Donc si on essaye de toucher à ses stylos, elle ne connaît plus personne. Hein, donc. Quant à Maryse, alors Maryse, si vous arrivez dans son bureau et que vous la voyez tourner ses cheveux, alors c'est difficile pour moi de le faire, mais eh bien, c'est qu'elle est en train de réfléchir. Quant à Laetitia, eh bien, elle ronge ses ongles. Je dirais professionnel, mais pas que, dynamique, moderne, enfin, moi je. Génial. Merci Workflow. En un mot, je le qualifierais de. Sérieux. Bon, j'y vais. Mon secret, enfin secret, tout le monde le sait, donc non, j'ai recommencé. Ça y est, bon, j'avais perdu le mot. ça va être compliqué. Tiens, je te regarde. Quant à moi, aucun défaut.